Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, oligarques corrompus n'ont pas chômé les haïtiens. Et ils ont plus de facilité pour que eux-mêmes soient agressés. Ils ont relé dans le téléphone pour menacer. Ils ont relé dans le téléphone pour avoir pression physique. Ils ont même monté dans la radio, même quelque part, pour parler de propre tête. Regina Boulos sorti, il parle, il dit des choses que nous pouvons partager ensemble avant là. Edouard Bossan, qui a non capacité dans l'assassinat, et Jean-Baptiste Côté, pas la volant là, bien fort. Et mais justement, il sorti, il menace des journalistes, soi-disant, c'est comme quoi que journaliste a travaillé pour Eric Jean-Baptiste. Et quelques jours après, menace qu'il fait journaliste a yo. Et bien, Eric Jean-Baptiste assassiné dans son bol à Kaili, avec un pile cartouche, un commando. Effectivement, Jean-Claude qui a fait quoi que, qui débarque sur lui, lapide machine, crase machine dans notre machine qui blende. Où est son mission? Où est son exécution? Et mais justement, nous-mêmes, nous battons nos responsabilités. Et me dit, monsieur Oli, pas gain de mourir. Son seul jour est fait et son seul jour a mourir. Ça veut dire que, passage jour, il faut qu'on rende tête utile. Vous avez pu faire pour tête. Surtout, lorsqu'on est qui fait dans le pays d'Haïti, sous bout de tête, papa de Saline, sous 27 750 km², ça veut dire que vous avez une redevance envers bout ça, envers les ancêtres, nous, comment il est, papa nation, qui c'est papa de Saline, qui te baille sans, qui te baille nommé ville, pour être capable de permettre que nous ayons une bout ça, pour nous être libres et indépendants. Et nous toujours parler de lui. Et bien effectivement, peuple haïtien, nous avons des Syriens, Libanais, Palestiniens, qui ont tout le monde dans le pays, juste parce que ils n'ont jamais espéré que ils étaient capables de millionner dans la vie. Ils ont juste une possibilité. Ils ont saisi, ils ont décidé pour assassiner à tout prix, quel que soit le monde qui campait pour lever les petits doigts pour dire nos messieurs. À nous faire façon pour nous penser avec la majorité. Quel que soit le monde, ils sont prêts pour assassiner ou en dans le pays ou encore. Eh bien, je vais dire, 15, pas 16 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, les gens ne peuvent pas suspendre de mourir dans le pays. Et c'est même l'escadron de la mort qui a continué. Parce que après l'assassinat du président pays, qui est le président Jovenel Moïse, qui est financé par les oligarques corrompus, parce que pas oublié, l'assassinat du président Jovenel Moïse, et nous, il y a une entreprise. Une entreprise qui gagne plusieurs investisseurs qui te mettent main ensemble pour investir dans l'entreprise. Et effectivement, après l'assassinat, ou tout nègre, après comme si nous entreprise ça fin monter comme si au fin exécuter plan mettez entreprise ça opérationnel fin exécuter plan yo ou tout nèg joine tout ça que moun ça qui représente entreprise ça te stopper pour yo après au fin monter entreprise ça yo même comprenez yo fin exécuter et pour tout ça que moun ça te stopper pour yo ou tout vin nan main yo et ou tout nèg vin pi agressif parce que pas oublier nan ti wala nan kou wala ka nèg yo avec nèg tête grain ki nan entourage yo ka pote gros am dedo yo gon bagay ki nèg yo di les oligarques corrompus ki dépensé derrière des millions de dollars américains pour tout président Jovenel Moïse entre yo avec resté avec ki nan entourage yo yo répété yo di plus jamais pa gèdwa jam gon nèg k'ap vinn président nan pays ya ki pou vinn faire de respect ça. Et c'est clair, il y a plusieurs monde qui te comprennent ni. Message ça que nèg voye ba nous à travers corps président Jovenel Moïse physique corps physique là. OK? Que nèg voye un message ba nous. Son message clair côté que yo dit nous ou même en tant que nèg tête grain en tant que ti haïtien de grande yo petit papa de Saline qui connaît que ou a venir entrer dans politique dans système pas nous. Ce n'est pas l'autre pas nous. Ou vient exécuter, mais justement, mais ça nous mette captant dans notre presse. Parce que c'est nous qui mettons pays. Nous, c'est les oligarques. Nous, c'est des Syriens. Nous, c'est des Libanais. Nous, c'est des Palestiniens. Et Eric Jean-Baptiste, qui sont socialistes, qui sont indépendants économiquement, qui ont fait politique, et quelque part, c'est comme un révolutionnaire, parce qu'ils sont socialistes. Ils font toute ville affaire sociale. Parce qu'elle réussit dans le business, elle ne pas dépendre des oligarques corrompus. Tout ça qu'elle a fait comme initiative, elle prend de pas demander lui-même ça qu'elle pense, de pas demander volonté réelle. Parce qu'elle a l'argent pour comme si elle a propre prédomine, background.
background ni OK. Ça veut dire qui ça? Eric Jean-Baptiste vient une menace pour oligarques qui volent plus passer 40 à 45% l'argent pétro-caribéen ou du moins 50%. Eric Jean-Baptiste dit faut que tout nèg ça prend code. Faut qu'il arrête tout criminel ça yo, faut qu'il arrête tout assassin ça yo. Eh ben Eric Jean-Baptiste vient une menace pour monsieur yo. Et monsieur yo c'est eux même évidemment avec couverture groupe qui dans pouvoir en place là n'a travaillé sous nous Joseph Félix Badjo hein? Pour nous connaître effectivement si c'est pas Badjo qui dans tête commando qui t'a touyé Eric Jean-Baptiste là parce que je dis m'a dit ça honnêtement Joseph Félix Badjo très confortable dans le pays hein, avec les oligarques corrompus qui touyé président pays hein, qui c'est président Jovenel Moïse parce que pas oublier Badjo c'est qui t'a dit directement ensemble avec eux Badjo à l'aise avec eux. Et après Badjo affilié avec gang Vite l'homme nan. Gang Vite l'homme nan qui est patron kounya qui c'est Edouard Bossan. Même Jean gang village de qui est patron qui c'est Iso 5 secondes. Chaque fois Iso gon facilité pour la mettre un gang dans Canaran pour Edouard Bossan. Ça veut dire que ça gen là yo tête ou doit placer bien placé sous épaule ou et que pour gon facilité pour que analyser et comprendre mais nan quatre ou pour des populations comprendre ça qui a passé ya. Parce que paysan nous vînons gon mal et pendier qui pendier sous tête pays. Et ça fait me dit chaque gagne dans nous. Nous devons goumer avec toute force nous, toute âme nous, pour nous joindre la vérité dans ce qui est pour nous avec l'assassinat du président pays qui est le président Jovenel Moïse. Si nous ne pas faire, nous garantis nous. Il y a toujours kidnappé nous. Il y a toujours fusillé nous. Il y a toujours lapidé nous. Il y a toujours fait nous courir quitter pays pendant que c'est pour te papa de saline courir quitter pour nous. Qui ça qui passe? Parce que même moun qui assassine le président Jovenel Moïse, c'est même moun sa yo qui met en sort là comme peuple, qui traîne pays dans la boue ça, qui traîne pays dans la misère ça, qui traîne pays dans comme si dans insécurité généralisée ça parce que yo c'est des trafiquants d'âmes. Yo c'est des criminels notoires, yo c'est des assassins, yo c'est des ravettes qui conseillent des gros avantages dans l'état avec pouvoir la valance pour santé te baio et PHTK. Te baio le Jovenel Moïse vient couper et mais il faut tout le président pays. Ça veut dire que je dis on a une responsabilité pour que gourmet contre criminel ça contre assassin ça yo pour jeune la vérité dans ça qui est pour avec assassinat président pays qui c'est président Jovenel Moïse. Si nous pas faire honnêtement m'a dit nous ça nous pas jamais gagne de l'eau pour laver nous pas gagne pièce possibilité pour nous sortir dans ça que nous trouvons là et faut que nous gourmet faut que nous mettons nous dans patte là faut que nous faire presser presser si nous pas faire il y a faire sous nous. Et me clair ensemble avec nous si nous pas faire il a faire sous nous et faut que nous faire presser presser sinon nous pas jamais gagne possibilité pour nous sortir ça que nous trouvons là parce que nèg méchant c'est moun yo touyer les intérêts menacés c'est moun yo assassiner les intérêts menacés même Jean Noué équipe Ariel Henry a fait là Rosemila petit frère Majori Michel Betty qui se ménage Rosemila petit frère. Nous avons mis un escadron la mort. Il y a des policiers fantômes 609. OK? Avec des gangs criminels. Ils ont mis un policier. Ils ont mis une machine la police. Ils ont blindé la police. Pour machine dans toute base, jeune garçon qui a bloqué Delma. Qui a boulé caoutchouc, qui a bloqué la oui dans Delma. Depuis Rosemila petit frère, offrir ou assainissement pour que vous suspendez dans boulé caoutchouc dans la oui. Suspendez parce que le gouvernement là. Mais de ne pas prendre assainissement ça. Rosemila petit frère, voye escalon la moi, vin arrête ou. Yo arrête ou. Et puis yo pren ou, yo al non base ensemble avou, soit que yo descend tab ensemble avou, yo al assassine ou, et puis fout du vaisseau ou. Et sa fête là, près de 5 jeunes garçons, combat contre la police, qui yon kabiyan swat la dan, yo arrête yo, yo pren direction tab ensemble avec yo. Yo pren direction tab ensemble avec yo. Et le yo rive tab, eh bien, justement dans demain, parce que les gens qui ont été dans le TPT, dans le tabac 43, qui s'est rejoint, ils ont dormi, on l'a jeune garçon, que cochon, chien a mangé, et que, ou comme si, ils ont boulé, ils n'ont pas fini de boulé, ou un chien a mangé, reste là. Qui s'est passé? Les gens qui ont le pouvoir, qui mettent une task force, un groupe terroriste, une coalition d'assassins, pour assassiner les gens à tout prix, qui campent en face du gouvernement. Ça. Et je dis, moi-même, pour toute raison, ça yo. Moi chercher toute information pour me venir porter pour nous exactement Jacques Lier
pour venir dire nous qui choix là exactement Jacques Lier ou même ou gen pour devoir prendre responsabilité ou pour que affronter ça gè là comme situation. Si nous pas faire, nous garantis nous pas exister. Jodi nous exactement 2 novembre 2022. Pas oublier sur plateforme parlant qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Plateforme qui défend les paysans, plateforme négande, plateforme qui croit que pour Haïti changer, il faut que c'est même pour fouiller dans notre patte là, il faut que nous fouillions dans la niche couleuvre que le président Jovenel Moïse te commence à fouiller, il faut que nous continuions à fouiller là-dedans, comme ça, nous allons sortir avec toute tête couleuvre qui est le pays ça, dans la misère, dans la malcité, dans la souffrance, dans l'insécurité généralisée ça, qui fait que de novembre, tout le monde n'a jamais rentré à l'école dans le pays d'Haïti. Ça, c'est plus gros crime contre l'humanité. Pendant ce temps, nous qui mettons dans ce sac de là, petit yo, madame yo, à l'étranger. Petit yo va à l'école chaque jour dans le pays étranger. Ou même, et petit pour là, comme petit soeur. Il va pas à l'école, il a évolué, il a grandi pour toujours continuer pour la relève, pour papa qui a boule caoutchouc, crasé brisé, fait mouvement militant. Ça, lui, est fini en dedans pays. Ya. Et nous-mêmes, dans la plateforme, ça, qui c'est plateforme YouTube, Fobeto, nous-mêmes qui c'est bientôt même, nous engager tête nous dans bataille ça vivre libre ou bien mourir c'est seul moyen et n'a pas vivre libre dans ça que me trouver là parce qu'il est pas possible nèg yo c'est yo pour mourir peuple haïtien mettre cansonne dans ta dans patte là pas gain de mourir soit survivre ou bien mourir. 2 novembre 2022 m'a dit nous bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui côté qui l'heure ou attendez nous et ou regardez nous encore une fois Jacques que nous connaît c'est toujours un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous ça vraiment fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager un moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons, de ça qui dit dans l'émission Panouan qui passe sur la plateforme Panouan qui est la plateforme YouTube Info Bertoa. Parce que c'est clair que nous tendons, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là. Mais c'est normal pour que nous gagnions, ça nous capable de briller une réaction. Réaction Panouan, c'est exactement dans l'espace commentaire là que nous capable de faire ensemble avec nous. Nous capable de dire nous ce que vous pensez, ce que vous comprenez autour de ça qui dit dans l'émission Panouan, ce que vous comprenez, ce que vous pas comprenez, juste poser des questions, nous-mêmes bientôt, nous dans l'espace commentaire là, nous lis les commentaires, nous regardons ce que vous pas comprenez et puis nous répondons dans l'espace commentaire là. C'est intéressant. Nous faisons exercice ça, une façon pour exprimer justement ce que vous sentez, ce que vous comprenez, ce que vous pas comprenez. Exprimer le parc bel dans vous-même. Posez bête aux questions. Au besoin de plus loin, vous êtes capable de contacter bientôt, évidemment, dans tout numéro de téléphone, plateforme YouTube, vous êtes capable de contacter nous dans 438 et 507 2732. Vous êtes capable de contacter nous dans le numéro ça. Et puis, vous êtes capable de contacter nous dans l'autre numéro pour mon États-Unis. Et directement, capable de contacter nous direct et call direct ou bien WhatsApp. Vous êtes capable de contacter nous dans et plus 1 561 542 95 47. Plus 1, 561, 542, 95, 60, et 47, pardon. Et plus 1, 561, 542, 95, 47. Ça veut dire deux numéros, ça, vous capable de contacter nous. Et ça, c'est numéro pour mon États-Unis, vous capable de nous direct, call direct, WhatsApp, tout ça, pas de problème. Quel que soit ça que vous besoin, partagez avec Infobetoa. C'est des numéros qui public pour nous parler avec famille amis plateforme là et pour avec qui parler les qui parler bagaille nous pas faire ça nous connait tout bagaille pas inquiéter nous nous habitude nous dormir avec gens nous lever avec gens nous comprendre chaque criminel dans pays d'Haïti fonctionner nous comprendre gens assassin et fonctionner mais nous prudent nous gon gens qui gère tête nous avec assassin avec criminel n'a pas avancé exactement 2 novembre 2022 entre-temps nous parler dans gros dossier d'emblée. On nous garde des petits bouts de spot ça pour des monde qui ont des petits problèmes. Parce que nous, ces garçons, ça qui arrive dans le travail dur, nous avons des petits problèmes et endurance. Un problème, ban, capé rand, capé jam. On va garder spot ça et pour avoir toute explication. Ou après, les numéro et pour avoir besoin toute explication normalement. Ou du moins, si vous êtes capable de contacter et puis d'avoir tout numéro, vous êtes capable de contacter pour joindre tout détail dans ce que vous gardez là comme produit. On nous garde et puis d'avoir Gaban Ultra. Gaban Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sorti dans le laboratoire. Il est là pour combattre les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper tito. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagain. Il relie ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gaban parce qu'il est plus puissant. Voilà, peuple haïtien, jodi a nous exactement 2 novembre 2022.
Jusqu'à côté ma parole voilà, petite malheureuse, malheureuse, pas qu'à rentrer l'école dans le pays d'Haïti. Et les gens qui mettent dans le sac et trouvent yo, et bien effectivement, toute petite nexa yo, avec madame yo, à vivre à l'étranger. Ou même, qui a venu petit ou à qui sont pensés, qui plan ou yo gen pour le pays ya, c'est plan pour détruire toute petite desaline yo, détruire toute génération qui pour venir là yo, pour dans 25 ans, pas gen moun qui compte li dans le pays ya, même. Nèg yo bat pour rassurer, ok? Dans 25 ans, encore, pour pas gen moun qui compte li dans le pays ya, même pour ces petits yo seulement qui compte li dans le pays ya. Ça veut dire, mes plans que nèg yo genyen, moi même toujours dit nous ça. Et gen des auteurs qui toujours dit nous ça, gen des historiens qui toujours dit ça. Là où est, yon l'autre pays, besoin craser comme pays, ou du moins, yon groupe moun qui besoin détruire comme pays, premier sac qu'elle détruit, li détruit éducation, système éducation là, li détruit complètement. Depuis que li éradiqué, me garantis, là le coucher sous dos, là prendre résultat ça dans 25 ans encore. Parce que le connaît dans 25 ans, pas gen moun qui éduqué dans pays ça. Dans 25 ans encore, pas gen moun qui connaît li dans pays ça. Je dis si nous pas prend bonnet comme haïtien pour nous bataille pour nous faire ti moun rentrer l'école, me garantis nous payer pas jambe payer tendez les gars disparaître payer dans mais nous c'est des tuls, c'est des restes avec, c'est des criminels notoires que n'a gagné seulement et puis n'a gagné des nèg qui pour diriger comme troupe. Je dis à nous de bataille pour ti moun rentrer l'école, pour ti moun rentrer l'école, pour ti moun rentrer l'école, en nous permettre que Ariel Henry pas arrêté dans tête l'état, en nous faire Ariel Henry disparaître dans tête l'état, en nous disparaître, en nous remoquer, en nous regardez dégapper Ariel Henry dans tête l'état. Pour faciliter, Rosemila Petit Frère a répondu à une question de la justice. Betty a répondu à une question de la justice. Majorie Michel a répondu à une question de la justice. Pour suspendre tout le monde dans le pays. Ou bien pour le peuple à foutre, prendre tout. Pour que ça mérite par rapport avec le crime qu'il a fait dans le pays. Il y a des réponses proportionnelles avec la qualité de crime. Je dis, je dis ça honnêtement. Avant que nous rentrions dans l'information que nous allons partager ensemble avec nous, nous faire une réflexion ensemble avec nous. Écoutez bien. Dans le pays, nous avons près de 4,6 millions de personnes qui pourraient rentrer à l'école. 4,6 millions de personnes qui pourraient rentrer à l'école depuis le mois de septembre qui sont passés là en 2022. Nous là. Jusqu'à maintenant, pourquoi j'aime bien les gens qui rentrent à l'école? Pardon. Pourquoi j'aime bien les gens qui rentrent à l'école? Qui ça décide de faire avec le pays? Qui ça nous voulait faire effectivement avec le pays? Est-ce que nous pas ouais nous-mêmes comme haïtiens? Monsieur, vous avez un plan pour nous. Plan, monsieur, est-ce que nous pas ouais c'est pour détruire le pays? Et je vous garantis, si vous avez commencé là comme stratégie, résultat, je n'ai dans 20 ans encore. Dans 15 ans encore. Ok, dans 25 ans encore. Pas de jeunes qui compte lire dans le pays. Pas de ça. C'est des petits grands monde fini qui a toujours été là comme rester avec yo et puis yo même a toujours été là comme oligarque corrompu pour passer l'autre parce que petit yo a konn li bien une université à l'étranger et ouais yo tellement fait le bien pour yo fait pour pas gain frustration nan kan rester avec yo yo organiser yo fait même petit politicien qui a aidé yo craser pays petit politicien ça tout après recevoir bon pain l'instruction ça on est capable de l'éducation dans le pays étranger, même j'avais petit oligarque corrompu. Et les politiciens organisent. Ils font tout ça que vous connaissez pour petit rentrer à la Sorbonne, dans toute grande université dans le monde. Là, pour yo recevoir bon gens l'éducation, pour avoir de bonnes relations depuis dans l'école. Yo. Et puis vous même, vous avez comme peuple qui pour voter, vous seulement yo juste besoin pour aller mettre main dans comme si elle fait petit quoi pour yo, elle fait petit V pour yo, pour choisir yo comme leader. Et puis vous même, Yuri, Beauplan, Nenel Kassi, Majorie Michel, Chile Ludo, Don Kato, comment le prétend Belizer, Timothée Oni, tout ça qu'on est, tout rave, tout qu'on est cap crasé, brisé. Moi, Jean-Charles, il y a toujours là même qui pour candidat et pour porter l'État, pour aider l'État produire l'argent, pour petit oligarque corrompu, pour oligarque corrompu, qui a toujours existé comme maître pays. Parce que vous sentez que, via technologie qui a avancé dans le niveau là, pas avancé là, population a gagné accès à la pile. Et de fait, Jeannio a toujours joué Jovenel Moïse qui a prêté vivant dans le pays. Et bien, il a organisé pour faire façon, pour mettre sous côté, ça nous capable l'éducation. Rentrer en bataille net pour que les gens pas aient accès avec l'éducation. 4,5 millions de personnes ne pas rentrer à l'école. Et bien, résultat, ça, nous prenons le feedback ça dans 25 ans encore.
nous pas gen pays, pays a disparaître, a gen son peuple qui pissote sur la terre. Et c'est koun yo pa tande yo di ou, nous gen ces premier pays sur la terre qui gen moun qui pi analphabète. Ça veut dire que ti moun pa ki pa à l'école. Josia nous doit prendre bonheur. Nous devons goûter avec ça qui est là comme situation. Si nous pas presser, si nous pas bataille pour éradiquer ça qui est là comme situation, nous garantis nous pas jamais gain chance comme peuple. Nous pas jamais gain chance autant ça que nous trouvons là parce que monsieur c'est ennemi nous, c'est adversaire nous que yo, yo pas besoin nous yo rail, yo pas veulent ouais nous. Yo juste besoin bout terre, espace là pour yo faire l'argent seulement. Yo pas besoin qu'on lit. Et quelque part, nous va monsieur a fait une stratégie pour que tout groupe criminel qui était là yo reste avec yo aller et pour petit yo vini pour yo dire même et moi cal pour États-Unis et moi cal pour la France et moi cal pour Canada pour me venir mettre au ministre pour me venir mettre au directeur général pour me faire député pour me faire sénateur de fait c'est l'ordre pas non ou doit appliquer ce système pas on ne pas update système là je ne système là comme si tu as dit fragile criminel assassin tout pis nous oui yo pral update système là pour faciliter système là ba yo comme la plus direct. Là ça me garantit ou pas gen BRH encore la BRH pa yo pas gen BNC encore la BNC privé yo pas gen ona encore tout ça qui a rapport avec institution qui bail l'argent yo c'est pour yo personnellement que la pied il a privatisé tout net qu'on est là ça toute économie pays a directement dans main yo ministre finance là dans la caillou la gen bureau yo tout ça l'état produit comme l'argent c'est eux même qui contrôler là travers ministère des finances c'est eux même qui va gérer ça bien qu'il a fait l'indirectement là oui mais qu'on a besoin de faire directement et ça cause avec facilité nous toi Reginald Boulos t'es besoin de président ça on sérieux nous toi Reginald Boulos t'es besoin de président et t'es dans le pays ok ça veut dire mais qui j'en ai eu bon facilité pour détruire ou même comme jeune garçon haïtien et pour aller des politiques là chita continue craser briser y a pas jamais qu'à mettre tête ensemble avec un monde qui a volonté réelle pour aider peuple à sortir de ça qu'il trouvait là. Yo plus prennent en dénigrer, dans assassiner caractère, dans bouler pays, dans l'autre pays, et puis pour yon de criminel yon, al touyel physiquement. Le yon fin touyel physiquement, nous yon tout, yon chaque fait yon, et puis yon chaque apte yon dans kan yon. Qui sa kap souffri masse peuple la, moun pa ka manje, assassinat tribo pa bo, kidnapping, tout nèg yon ap riche nan kidnapping, pays yon pa jam gagne ki fait. Est-ce que vous comprenez? Yon assassiné, les oligas corrompu avec politicien, assassiné Eric Jean-Baptiste, pa jam gon enquête de police judiciaire qui ouvri sous ça. Nous avons le bagage là. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé? Ils ont assassiné, ils ont mis tête ensemble, ils ont assassiné Eric Jean-Baptiste. Dis-moi qui côté nous a une enquête judiciaire démarrée dans le pays. Pas de ça. Raison simple. Parce que c'est eux qui ont Eric Jean-Baptiste. Raison simple. C'est parce que c'est Franck LB qui déjà la police. Je ne dis pas, ouais. Franck LB est un seul grand nègre. Pour soi-disant montrer qu'il a fait opération. C'est une base vite l'homme seulement. Ne pas vite l'homme seulement après Franck LB après direction pour faire opération. Opération qui ça? Opération comme si montrer la fond bagaille. Fait déploiement où il convoie blindé l'obéi et puis Matissan là, déploie blindé sur Matissan, al débloquer blindé, al débloquer Matissan pour faciliter malheureux qui a sorti dans grand sud là, vinn vendre Janio dans Port-au-Prince là. Éradiquer Captain Maozo qui occupait route Kwade Boukéa net. OK? Mais vite l'homme innocent, c'est parce que vite l'homme dénoncer Franck LB. C'est normal pour démanteler vite l'homme. Vite l'homme doit mourir. Parce qu'on parle de kidnapper monde. Mais vite l'homme c'est allié Franck LB. Franck LB est dans le kidnapping avec vite l'homme. OK? Parce que pas oublier. Pas oublier. En octobre, fin octobre 2019. Et c'est là que nous avons commencé à financer toute base gang dans le pays avec l'argent. Alimenter avec ZAM. Je vous rappelle pour vous, Évalier Beauplan, sénateur nord-ouest, pour permettre nous comprendre ce qui a passé dans le pays, pour ne pas jamais bêtiser avec les politiciens dans le pays encore. Quelque chose que côté que nous jeunes, vous avez un droit de vie ou de mort sous petit, nous souffrons, mais nous même faisons bagarre avec vous. Nous pas exister dans le pays. Comme ça, nous avons facilité pour nous détecter, nous soutenir ce qui nous vient là comme situation. En entendant, un tweet que Évalier Beauplan a fait le 30 octobre 2019 à 7h21 du matin. 30 octobre 2019, Évalier Beauplan. Il dit dans un tweet. Tout individu armé voulant aider l'opposition sera bienvenu dans cette lutte. Tenez bien, oui? Tout individu armé voulant aider l'opposition sera bienvenu dans cette lutte.
Ça veut dire que tout groupe nèg avec ZAM qui voulait aider l'opposition, eh bien, ou mettre vini, l'opposition ou elle comme, il a ouvert deux bras, il a tant nous comme chef de gang, comme criminel. Et pour aller plus loin, il a fragilisé même pour tête, parce que tout le monde est en gros, ses amis ou le bail. Mais qui ça le dit? Il dit, nous annonçons que du 5 au 8 novembre 2019, ok, l'opposition prendra les armes pour exiger le départ sans condition de Jovenel Moïse. Ça sont tweet de Évalier Beauplan le 30 octobre 2019 à 7h21 dans matin. Li dit toute gang, tout chef de gang, tout criminel qui n'a tout partout dans le pays. De pour une volonté pour aider l'opposition et forcer Jovenel Moïse qui te pouvoir venir avec Zamon. Yo dit et puis là plus loin, il dit du 5 novembre au 8 novembre 2019, pas oublié parce qu'elle fait toute la fin octobre, 30 octobre 2019 et puis il dit 5 novembre au 8 novembre, opposition a commencé à prendre ZAM pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Et effectivement, qui ça nous a été fait. Vite l'homme vient dans pile ZAM dans elle. Et puis, rajouter les Zénith a dit c'est des militants politiques. 400 Marozo renforcé. Et puis, rapide, Radio Zénith a dit 400 Marozo, c'est des militants politiques. La police a affronté gang ça. Dans la cité Doudoun, dans la Kafouma Asa, dans la zone de la falaise, eh bien, vous Nicolet. Mais tout journaliste qui a capturé pour Dimitri Fobla a dénoncé, oui, même moi, et comment elle est, n'est-ce qu'il là pour traquer les jeunes garçons qui ont campé des barricades. Et sa barricade là en vogue. Barricade là m'a enragé. Et Valéry Beauplan font l'autre tweet. Il dit, il fait déclaration. Il dit, quel que soit jeune garçon, jeune femme qui gagne, yon galon l'huile machine la caillou, yon galon l'huile motel la caillou, paraît notre tête, mon ou bien dans une zone de la caillou, sous asphalte là. Vide l'huile la terre pour machine ka fout faccident. Fok moun mouri nan peyi a. Et après, li vin démenti pour tête li. Alors, li vin fragiliser 40 men encore. Li vin di nan station se après ou fin tout Jovenel Moïse. C'est non télévision nan peyi a. C'est pour être capable faciliter blanc ouais, que Jovenel Moïse pa ganyen quel gen comme contrôle nan peyi a. Ça veut dire assassiner moun, touye petit peuple là pour blanc capable juste ouais que Jovenel Moïse pa gen contrôle rien nan peyi a. André Michel te font tweet. Il dit, Jovenel Moïse ne veut pas quitter le pouvoir. Pour décider pour le mourir sous pouvoir. Et de fait, n'a pas le prendre. Pour nous lapider, pour nous décapiter, n'a fait qu'on ait même sort avec Vilbrin Guillaume Sam. Effectivement, qui s'en Jovenel, vous faites Jovenel Moïse. Vous lapidez, vous décapitez, vous lapidez. OK? Tout le monde dit ça. Steven Benoît dit, par le fait que Jovenel Moïse ne veut pas quitter le pouvoir, nous ne prenons pas le cali dans le PLR 5. La ville Brigham Guillaume Samni. Effectivement, qui ça nous a fait? Il a tué le président de la chambre Lakali. Qui ça a trouvé Steven Benoît? En rien. Quand Steven Benoît, il est dans le pays. En rien par rivière. Il a eu la tête de campagne dans le mitan de la rue Port-au-Prince. Il dit Jovenel Moïse pas capable, il est mieux capable. Depuis nous faisons façon, nous faisons Jovenel Moïse pas là. Mais de fait, nous avons la sécurité dans le pays, kidnapping a baissé. Ça veut dire que c'est un bouton kidnapping dans la main. OK? Et comment il est? John Joel Joseph dit. Tout monsieur qui a des âmes dans le monde, vient de côté de l'opposition. L'opposition attend nous pour nous battre contre Jovenel Moïse. Qui ça nous a fait? Ils ont monté Fantôme 69 pour être capable d'intégrer la gang dans le mouvement pour faire connaître que c'est des policiers qui ont revendiqué les droits. Ils ont utilisé Yannick Joseph, Renal Coutois, Abelson Gonègue, et puis Francel Ben en tête la police là, Calan Boucher, Marius Gauthier, et puis ils ont monté Task Force, un groupe criminel, un groupe terroriste, qui est le Fantôme 69. Ils ont armé tout le pays en net, ils ont ceinturé tout le pays avec gang. Résultat qui côté li. Mais kidnapping en bas. Mais assassinat en bas. Ils ont tué le président en bas. Ils ont fini avec le peuple en bas. Pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de monde qui vivent là-dedans encore. Tellement tué le monde chaque jour pour pipiti. 5 à 10 personnes ont mouru dans l'Ouest pays. Côté politicien, ils ont tout à vivre. Est-ce qu'il y a des gens qui mourent jamais? Qui est-ce qui mourit? Sénateur Bisret, Yvon Bisret, parce que Yvon Bisret, tu as une volonté réelle pour te continuer avec le projet que le président Jovenel Moïse a gagné pour te construire caille pour les policiers. Dans la même stratégie, dans la même formule, dans le même, comme tu as dit ça, dans le même plan
pour le consulat pour les policiers. Les gens foutent, fait ma cac, assassiner les sénateurs, ils vont bisrette. Et c'est les oligarques corrompus, c'est les VOP même qui campent des crimes. Il faut que nous commençons à indexer les gens directement. Il faut que nous commençons à mener une enquête. Qui enquête police judiciaire qui mène sous cas, comment il est assassinat, sénateur Yvon Bisret là. Pas gain ça du tout. Il y a juste quitté la enquête là, abouti avec Timakak, mais il n'y a pas cherché qui est ce qui est Timakak. Pour que ça ne pas questionner mes enquête sur la famille VOP. Compagnie VOP et fils. Qui va avec elle, il y a tout ingénieur qui est venu construire caille pour la police en elle, matin droit, il a assassiné elle. Et un jeune garçon qui sort du Canada, il vient construire caille avec une stratégie. Mais c'est dans 7 mois que la police a fini. Parce que c'est des plaques que vous mettez fait dans le temps, puis vide béton, et puis forme caille, vous avez tout plan, et puis vous avez tout, caille construit. Mais il faut tuer monsieur, parce que monsieur est venu avec facilité pour le venir construire caille pour la police. Il a assassiné. Sénateur Yvon Bisret, qui est directeur général EPPLS, monsieur a décidé pour te continuer avec le projet construction caille pour la police là. Et bien, effectivement, est-ce que la police judiciaire qui est DCPJ, est-ce que nous avons une enquête qui est diligente? Ils ont juste fait une déclaration, ils ont dit comme ça que c'est Timakak qui touille. Automatiquement, ils ont dit que c'est un chef de gang qui touille. Pardon? Et puis, il y a une pièce d'opération. Calmez pour demander gang, ils ont dit une enquête là, tout abouti là. Il y a une pièce d'enquête qui a mené encore. Mais nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes comme nèg tête grain, nous-mêmes comme nèg en dehors, nous-mêmes comme petits paysans, nous doué goumen pour nous suspendre groupe criminel, groupe flibustier ça dans pays là, oligarque corrompu ça qui a touyer monde pour intérêt yo. Qui s'est passé depuis c'est pas qui rapport avec construction dans l'état, le plus souvent c'est compagnie Vobé fils. S'il pas prend contrat et organiser avec un film qui a fait ensemble avec pour le bail contrat pour le gain là appel de flanc et puis même pour capable mettre prix par eux sous lit. Est-ce que nous comprenons? Pour être capable de faire l'argent ou pas en bas, mais quelque part, compagnie, ça, c'est même pour compagnie bidon qui ont monté. Quel que soit le monde qui sorti côté ou sorti, pour venir camper contre l'intérêt de ça, en face de l'intérêt de ça, il y a tué. Et là, il y a tué, c'est une tête graine pareil, non? Il y a fait tuer, non? Je dis à chaque grain haïtien qu'on est, c'est oligarque corrompu qui a tué le monde dans le pays. Tout le temps, ça a existé dans le pays. Il y a toujours des politiciens gang, il y a toujours des criminels à sapate qui a tué le monde. Je dis à me faire nous connaître que tout le temps, toujours reste avec la politique. Ça yo. En dedans pays, l'oligarque corrompu a toujours un pouvoir. Ou du moins, vie, comme tu as dit ça, doit de vie ou de mort sous chaque grain haïtien. Parce que vous utilisez les politiciens pour vous faire par moun. Ok? Il y a tué comme peuple. Et nous devons battre contre les gens. Si nous ne faisons pas, il y a continuer à faire ça. Et honnêtement, je dis nous ça. Tout ça nous a dit dans le pays d'Haïti, c'est un peu comme ça. Je dois regarder qui est-ce qui est devant ban, c'est monsieur SDPO qui a demandé pour intervention militaire faite dans le pays. Au moins, Michel a goûté pour ça. Dans le cas, c'est mon rôle pas pour ça, parce que c'est un connaît pour ça. Parce que faut que militaire a venu pour vous protéger. Yo. Parce que vous connaissez, vous ne pouvez jamais vivre à l'aise dans le pays. Il y a des peuples à veiller autour ou pour peuple à croiser avec un axe quand même. Ou de Michel a couru sous bagaille ou sous le canal, il a fait sport, pas occupé. Tôt ou ta peuple a quoi quand même y a faux fesses pendant toute la rue dans Port-au-Prince avec code dans bras ou avec 20 blocs dans dos pour faire marcher compter toute rue dans Port-au-Prince. Et gien de bagay faut que nous fait monsieur Oli. Là nous croiser major Michel, peuple a doit prendre marre le deux bras derrière et puis mettez 10 blocs dans dos, fait la marcher dans toute rue dans Port-au-Prince. Prend rigoise nous, mettez le dos tourné, a frété le foutre les coups rigoise dans toute rue dans Port-au-Prince parce que moun ça faut que konn so yo, faut que nous fait payer. Si nous prenons le cassi, nous devons mettre 15 à 20 blocs dans le dos avec Marel deux bras derrière et puis faire la marche pied à terre sur tout asphalte dans la rue Port-au-Prince. Tout côté que nous mettons caoutchouc, faire le marche pied à terre. Faire quitter plat pied la terre, nous le cassi parce que sont méchants, sont des cap kidnappés, nous devons bal sale mériter. Nous devons de couner, de bas des douleurs parce que nous tuons nous trois comme peuple mettre là. Ce n'est pas possible. Et pas bon pays sur la terre, non? Qui est capable de développer avec qualité de monde. Pas de possibilité du tout pour un pays sortir dans ça avec qualité de monde. Jamais. Et je signe de ça. Je suis clair sur ça. Pas de pays sur la terre qui est jamais capable de sortir dans ça qu'il trouve là avec M. Saoulade. Pas de pièce possibilité. Pas de moyen du tout pour un pays sortir dans ça qu'il trouve là avec M. Saoulade. Et nous-mêmes, nous devons batailler. Nous devons goûter pour nous faire tout ça que nous connaissons pour éradiquer M. Saoulade dans le pays. Parce que si nous ne faisons pas, garantis-nous, nous ne pouvons pas exister comme peuple. Parce que monsieur ne pas respecter la vie comme peuple.
Et nous de bataille, nous de faire prise avec yo. Nous de goumen. Et me garantis depuis nous goumen, n'a pas une solution avec ça qui là comme situation. Et m'espère que nous prend ça que nous dit là yo, nous mettez en application. OK? On avance effectivement avec dossier qui gagne pour avec assassinat président Jovenel Moïse qui n'a a essayé pour faire dossier pas d'actualité, m'a dit dossier ça, il pas jamais pas d'actualité parce que l'ici assassinat premier citoyen de nation. Mes amis, m'bra dire nous qui choy. Joseph Félix Badiou te fait sortir. Li vinn plaider dit par contre barrer la caille président Jovenel Moïse pas vrai? Et même m'bra le faire nous tendre de trois bagaille là. Mais entre-temps, m'bra le faire nous tendre Reginald Boulos qui a essayé soi-disant défendre tête li sous dossier assassinat Jovenel Moïse là dans sorte ça qu'il fait. Nous pral tendre Reginald Boulos. Et puis après nous pral avili Joseph Félix Badiou qui te fait sortir crabe qu'il te fait. Nous pral tendre Boulos ensemble avec pas saisi non, dit nous pas saisi. OK? On a le temps de Boulos ensemble avec. Et puis n'a comprendre très très bien. Prend responsabilité nous comme peuple. En tendre Reginald Boulos peuple haïtien. Effectivement, Jean que me dit nous, n'a tendre ensemble avec Reginald Boulos et que qui fait sortir crabe ça. Et que nous-mêmes nous disons, dans ce qui est pour avec la vérité, et sous criminel assassin qui a fini avec le pays, ça, qui est mon peuple menti, qui met gang, assassiné caractère moun, et nous disons, nous ne pouvons pas rien passer. Et même pour toute raison, ça, nous râler Boulos ça pour vous, parce que Boulos sorti dans le silence, li, nous ne pouvons pas quitter ça passer, nous râler pour que Boulos a plaidé sous implication dans l'assassinat président paysan, qui est le président Jovenel Moïse. N'a pas le temps d'ensemble avec un pile attention. Et n'a pas dans quel niveau chef gang ça, chef théoriste ça, chef criminel ça, Syrien Libanais ça, audacieux. Et n'a pas dit Boulos, à 60 combien là nous là, n'importe 67 ans, si je ne me trompe pas. Ton écrasé, moi, payé pour assassiner Jovenel Moïse. Et petit, tu as payé pour lui. De génération en génération, on a payé pour lui. Parce que c'est normal pour qu'il paye pour lui. Parce que c'est normal. C'est l'illogique pour nous payer. Si nous ne payons pas pour lui, je garantis que ça va pour le produit dans le pays encore. De fait, nous prenons responsabilité pour nous battre ensemble avec vous. Comme nous avons dit, nous avons combattu ton combat. Et m'a pour aujourd'hui. Il m'a continué. Fait suivi. Et nous combat pour ton combat. La fête avec 11 à 12 millions d'habitants. La fête dans le pays. On nous dit. Reginald Boulos, chef gang, criminel, terroriste, syrien, libanais, qui vient pour payer sa gangsterise, payer sa base, tout partout, et dépenser des millions de dollars américains qu'il vole dans le pays pour tout représenter dans le pays. Tant de Reginald Boulos qui t'a parlé dans la station radio dans le pays d'Haïti. En avance. Moi, t'as des commentaires faits sur ça. Vous voulez faire un commentaire sur ça ou pas, M. Boulos? Oh, oui, non, je vais faire un commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je suis condamné de toute force. Moi. Assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat, ça n'a pas mené le pays à Pibouin. Non, tout le monde, assassinat, ça a mené le pays à Tchoubon. Soit assassinat qui fait contre un haïtien, soit assassinat qui fait contre le président de la République, soit assassinat qui fait la KLI de manière brutale, non pas plus chambre. Parce que Reginald Boulos, MDV Haïti, il n'a pas toujours condamné, c'est la violence. Nous n'avons pas choisi de prendre la violence, l'homme a décidé de faire combat politique pour changer le système. Là. Nous avons mis en place yon, publiquement un instrument politique. Nous avons mis en place dehors. Donc, nous n'avons pas cru que le général Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, je vous dis, nous avons fait 10 ans, je me dis que nous avons rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa crivée, le 7 juillet, et que nous condamnons. Fortement, son assassinat qui triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais nous devons faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait au Benson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pardon. Qui la justice pour le parler? Et bien la justice qui gagne Benassin Saint-Ville là-dedans, qui saute. À 40 ou l'État il s'était frisé, la justice il s'était frisé li. Et puis vous avez fait un travail pour qui vient débloquer à 40 ou qui retire mandat de yon, qui vous met à l'aise pour finir tout le président. Et bien la justice a parlé. Et bien la justice ça nous entrer dans le coup de cassation, nous prenons trois juges, nous fait impliquer dans l'assassinat au président. Et bien la justice ça Boulos. Boulos pose ou. Pose ou petit garçon. Parce que je vous fais la tombe dans le dossier, pas juste à le pourri, bon chef gang, bon criminel, bon terroriste. On avance, papa ici. Que c'est seul ça. Qui par rapport au fait que nous sommes adversaires politiques,
Ce qui n'a pas fait sens, parce que moi, j'ai un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin et soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez que c'est Donald Trump qui tue Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent. Et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moins pour écraser. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, allez, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça me donne, parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête, de dire, messieurs, nous, on te dit non, pas de rien, moi, non, pas de ça. Boulos. Et si les États-Unis d'Amérique ont un bourrade dans l'assassinat, dans le cadre de dossier, et dans le cadre d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, Boulos, je ne ou t'as bon facilité pour dire ça, non? C'est parce que ou à l'aise, n'a pas été ton sang, pas vrai? Après 15, pas 16 mois, ou à l'aise l'autre bois, ou confortable l'autre bois, et ou fonctionne bien l'autre bois, en pile million à moi, ou fin tout le président, business ou continue à marcher dans le pays, market ou à marcher, hôtel ou à marcher 24 heures sur 24, parce que c'est un business malheureux, malheureux, écrasé dans le pays, mais pour l'app marcher. Si FBI, pour tout bon, si la justice américaine, si Nations Unies t'a en bourrade dans quatre dossiers ça t'a metté un tribunal spécial dans quatre dossiers ça le consacre crise qui t'a gétant pété fier le pas mécabène qui t'a mourir et ou pour d'amour dans place mécabène salope sale on avance en tant de criminel là donc et en quatre ça m'a senti la piétiner et m'a souhaité que gouvernement m'a souhaité que international qui arrête certains mois et qui étrangement m'a dit dans le petit mot là qu'il faut étrangement dit que tout ça va présenter un tribunal pour le mettre caché. Moi-même, il faut que bagaille ait été ouvert pour que les Haïtiens connaissent exactement ce qui a passé cette juillet. Il faut que tout ça qu'a fait là, le fait dans la transparence, pour que les Haïtiens connaissent exactement ce qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, aucun rapport. Aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch. À aucun moment de la durée, ou par exemple, personne monde, que c'est la justice haïtienne ou bien FBI qui était souhaité parler avec vous, tant qu'on personne of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aidé, éclairé dans l'investigation ou pas, Dr. Boulos? Je n'ai jamais reçu l'invitation FBI. Je n'ai jamais entendu parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas Dr. Sanon. Très bien, oui. Boulos dit, li pa kon Madame Koch, li pa kon Docteur Sanon. Mwen del Koch te lo, oui. Juge nan kou de cassation ki yo voye moi Jean-Charles al pran, oui. Pour faire coup d'état, oui. Li dit, li pa kon Emmanuel Christian Sanon. Pendant ce temps, Emmanuel Christian Sanon dit nan DCPJ, et que m'bal fait nous tande nan académission, li dit que li kon parle à Boulos. Elle t'a écrit, yo j'ai une lettre dans mes en correspondance qu'elle t'a écrit Boulos. Mais elle dit qu'on ne toujours parle avec docteur Boulos. Pendant ce temps, Boulos dit pas reconnaître docteur Sanon. Boulos bien compté mal calculé. Déclaration ou là et ou pas effacé, assassin ou parlé, yo t'a fait aveu et c'est devant des CPJ, c'est devant avocat tout ça, yo t'a parlé. M'a dit Reginald Boulos. Pas grand rien cadre droit nous assassinat Jovenel Moïse. Oui, ça qu'arrivé. International a protégé. Ça qui arrive, la justice coupe un criminel assassin, juge gang yo, a protégé parce que c'est yo qui te bon mandat pour aller rentrer à la président tout yel. Ça qui arrive à protéger. Mais peuple haïtien, connaît, enquête populaire en fait, nous connaît qu'on a tout yel président. Et pas rien sous la tête calavo, et on a payé pour lui sous quelque forme. On continue d'être le chef de gang numéro 1 dans le pays d'Haïti qui est Reginald Boulos. On t'attend, peuple haïtien. Je ne connais pas les noms que tu as cités ici. Je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jean. Par contre, on est du tout. Je ne connais pas M. Jarre, je ne connais pas M. Andal, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé. Boulos dit pas contre Samir Andal. Reginald Boulos dit pas contre Samir Andal. Est-ce que nous là? Est-ce que nous attendons bien? Reginald Boulos dit pas contre Samir Andal. Il dit pas contre Rodolphe Jarre. Il dit pas contre Madame Wendell Cocktailo. Il dit pas contre Pasteur Emmanuel Christian Sanon qui connaît tête à tête ensemble avec elle. Mais c'est ouais, franchement, Mabdi Boulos, on continue, chef de gang numéro 1. Ah, j'aime participer, je ne pas qu'on ait mon baillot du tout. C'est la première fois que j'ai entendu le docteur Sanon, c'est l'heure, il a arrêté le docteur Sanon. Je suis content de nom Samir Andal, même pas j'ai rencontré, je ne sais pas qui m'a nié.
et d'après ça, je comprends la justice en Turquie qui se prend des décisions pour lui. Moi, par exemple, j'ai rencontré M. Jean, M. Charles, parce que grand pile Jean en Haïti, pas oublier que non, mais un groupe Jean qui m'a acheté une tonne, mais ça n'a pas gagné pour avec M. Jean, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Ça n'a pas été M. Rodolphe Jean. Je ne la connais pas. Je ne connais pas M. Rodolphe Jean. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas M. Samy Randal, je ne connais pas Dr. Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, j'aime parler avec le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 et juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir, au coup d'État, et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont les bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui disent ça. Et nous prenons une lecture par ou même par rapport à ça. Oui, vous avez dit au lendemain du 7 juillet. Reprenez-vous, s'il vous plaît, parce que nous. Oui, moi, je dis qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons cette nom dans une vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. Ou pas qu'à quitter un pays dans l'anarchie. Allez bien, oui. Au lendemain du 7 juillet, fondamentalement, de boulot ce côté. Qui ça qu'il faut péter pour quitter le pays le 5 juillet 2021, soit deux jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou du moins soit un jour et demi avant l'assassinat du président pays qui est le président Jovenel Moïse. Parce qu'on connaît qu'on va le voir négocier tout seul, non pas qu'on si quoi bien passé ou pas qu'on si on va tout mettre sous ou moins, ou que dans le cas patron, le cas côté t'es fait là, dans le pays États-Unis d'Amérique, côté nous t'es payé pour planifier l'assassinat du président, ou le cacher là, parce qu'on est tout assuré que on connaît qu'on est confortable. Ou qu'on est américain, vraiment, comme si on a dit la justice américaine, qui a protégé l'autre bois ou rete l'autre bois. Et m'a dit, tôt ou tard, ou a peut-être, pas ici qui est condamné déjà. Parce que nous avons fait jugement, nous condamné criminel déjà. Faut que nous clés sur ça. Enquête populaire en fait, jugement public en fait, jugement populaire en fait, nous avons jugé criminel, nous avons sentencié, nous condamné au niveau pour nous condamner. Et nous condamné à la peine de mort. Ok? Et nous avons ça à la condamnation à la coutumasse. Nous condamnons des dos. Et quelque chose, gens, ça nous vient petit tout, nous prenons le maintenant place. Ou. Et petit boulot, deux machines dans Port-au-Prince, avec 50 blocs dans le marine, dans le deux bras d'air, deux tournées, pieds à terre, à marcher dans toute rue dans Port-au-Prince. Fais la pèlerin 5, campé devant la cage Jovenel Moïse, la ferme, genou à terre, levé, marcher. N'importe 25 blocs, loup dans le dos, bloc 15, bloc 30, à marcher, pieds à terre. Nous prenons petit fou la boulot, et puis nous prenons le marine, deux bras d'air. Marine, deux bras d'air, fait commencer à marcher. Parce que nous sommes méchants trop. Nous méchons trop avec une nation, nous méchons trop avec un pays, nous tuons les gens trop facile dans le pays. Ce n'est pas logique. Il faut que ça finisse dans le pays. Il faut que ça cesse définitivement. Il faut que la nation bataille contre nous comme des criminels, comme des voyous, comme des assassins. Parce que ce n'est pas possible. On avance. On continue dans le chef gang numéro un pays d'Haïti, qui est le général Boulos. Il n'y a pas qu'à quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable. Est-ce que moi vous avez dit que 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 vous au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait trouver, il fallait être créatif, prendre des moyens, une solution qui te permette que rapidement, le pays a pas dégringolé dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph. Nous parlons avec le docteur Ariel Henry, nous parlons avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques pour. Quel est le chef de gang dans Kabdoul parle avec le docteur Claude Joseph? Nous, même qui étions là, nous avons dit que Claude Joseph, Claude Pape Kassessi, et puis nous faisons tout ça que nous connaissons, nous organisons. Mais sauf que moi-même, quelque part, pression par pression, PM Claude Joseph n'est pas supposé mettre pouvoir. Mais pour ne pas faire tout quelque part, ou capable de faire ça dans le sens, il faut que chef de police ait mis quand son entaille pour camper d'emblée des dôles, parce que c'est au bras à Mian. OK? Et directement. Mais sauf que ça, c'est l'autre hypothèse. Mais honnêtement, je dis non, Reginald Boulos, vous m'avez plaidé, dans le niveau que vous avez plaidé,
pas gagne de l'eau pour laver ou mettre dit tout ça dit pas gagne de l'eau pour laver tout le monde est clair que ou tout le président pays ont tellement tout il va rentrer dans pays là ou tellement touyel ou tellement peur ou il fait semblant qu'il me sorti dans politique et puis quelque part ou pas le diriger même je connais diriger là dit officiellement ou pas faire politique je connais faire là encore ou pas le faire même je connais faire longtemps voyez comment battable voyez comme pour tout le monde voyez comme pour casser briser ou vinn plus fragile que jamais mais je dis à ma nation on éradiquer toute sa bouleuse gain dans pays d'Haïti ça on prend même pour nous espace pas bouler pas craser espace pour nous on prend toute sa connaissance parce que c'est pour nous qu'il y est pour nous faire criminel ça ou que pas gain espoir pour nous dans pays encore pays nous c'est pays nous pas besoin ravette ça nous pas besoin chef gang ça nous pas besoin assassin ça dans pays encore il faut que nous fassions le public pour montrer l'international que nous pas accepter monter dans pays nous pas tolérer trop criminel trop méchant pendant que yo même y a vivre bien dans pays États-Unis d'Amérique et puis États-Unis d'Amérique connaît ça tout dans tout président on avance chef on continue attendez chef des gangs qui a plaidé on avance du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en action, autres. Et puis nous avons dit, on cherchait une solution qui est bonne pour le pays. Et je crois que, quelque part, nous avons réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse pour nous respecter. Très bien, oui. Le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse. Mais par contre, nous te connaissons évidemment, il y a un nommé là, 5 ans pour le pour investir, pas pour investir, ou même pour peut-être courir à l'États-Unis. Et puis nous connaissons imposer, nous faire matériel imposer Jovenel Moïse li, dans la boule 12, ok, dans rentrer en l'air, et puis pour peut-être courir à l'autre bois. Ou te connaissons la dernière volonté pour peut-être courir à pays, chef gang volé, ou ap démenti pour peut-être tout. Ah, ils sont avancés. Ou même si nous avons décortiqué, nous avons décalé, nous avons fait peuple à comprendre qu'est-ce que nous y on avance. C'était moi-même personnellement qui ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était de mettre Ariel Henry comme président. On respectait les volontés. Qui était parti d'un jour? Attendez bien, oui. La dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était exactement Ariel Henry. On nous respectait dernière volonté du président Jovenel Moïse. Qui le boulot était prêt pour t'accepter volonté Jovenel Moïse? Bon, nous était prêt pour t'accepter volonté Jovenel Moïse comme ça. Et puis là, il était vivant, t'as demandé nous chita parler, t'as demandé toute nègre en chita bota blanc. Comme si nous continuons à bailler l'argent, alimenter Fantôme Section 9, alimenter le mouvement crasé dans le pays d'Haïti, pour tout le monde, faire toute qualité de sa baisame tout partout. Et puis, c'est, oui, c'est dans les volontés, oui. Nous imposons les liens, nous foutons c'est lui-même qui était. C'est normal, c'est normal, c'est normal, oui. Bonne gang, on avance, papa ici. Nous comprenons très bien. Et après, je vais inviter nous live. Je vais inviter nous en live à 6 p.m. C'est Naptan de là, c'est Naptan de me l'a dit, oui, qui Naptan de très bien. Et je vais inviter nous en live après-midi. Son live d'emblée, on live garçon pas campé, on live payé pour te. Je vais dire, nous allons décortiquer le dossier ça. Et le dossier assassinat de Jean Baptiste, je vais dire, monsieur, nous avons une chance devant même, parce que nous avons un dossier ça. Nous avons plein de choses à faire là-haut, nous avons une bonne chance même comme chef de gang. On avance, papa ici. On est dans le chef de gang numéro 1, pays d'Haïti, qui est Régional Boulos. On avance. Position sous fin mandat président 2021. Moi, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que madame présidente est finie le 7 juillet 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons mais à problème la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça, écoutez. Ou une belle question, Robertson Alphonse, qui n'a profité pour nous saluer et n'a souhaité le bon propre établissement. Et Boulos, qui n'a pas accepté que Jovenel Moïse, alors que mandat Jovenel Moïse continue en 2022. Et pour le dérivé 2022, ok, en 2021, n'a yoté dit Jovenel Moïse pas président encore. Et puis, boulot, même boulot ça avec même bouche là encore, les dieux consacrés, ça cause que n'a yoté pour tout et Robertson Alphonse ça y est. Gros question, il faut questionner ça y est. Robertson Alphonse, gon position claire, oui. Avec dit boulot, c'était décidé pour le respecter volonté Jovenel Moïse, qu'il ne peut pas reconnaître comme président en 2021. On continue à dire non. Ça, c'est important. On continue à aller ça encore. On a dit ça encore, c'est important. Et réfléchi que. À cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous respecter. Et c'était moi-même personnellement qui ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était de mettre Ariel Henry comme président. On respectait des dernières volontés. Qui était parti d'un jour? Qui était position sous fin mandat président 2021? Moi, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mandat président était fini le 7 juillet 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à problème la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même non, par rapport à ça. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. C'est un débat sérieux sur question ça. Si le président Jovenel, pas de vous et parlement, allait, et le président Jovenel était cherché
un accord dans ça qu'on a cherché parce que c'est qu'une grosse discussion soit faite, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire un balle dans pied, le voyait par le mal aller. Donc ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde et puis une mesure ça n'a pas appliqué à moi-même. Il prend mesure pour un groupe monde et pour même groupe pour l'altouyel. Il tire un balle dans pied ou même dans le point nous foutre 12 balles. Nous craser avec masse, nous craser avec biré, nous péter avec pic. Nous prend pouvoir. Merci Boulos. Boulos ou tuer président pays. Ou tuer un paysan même j'avais. Ou tuer un petit paysan. Ou tuer un nèg en dehors même j'avais. Ou tuer paysan yo. Ou faire sans ou organiser peser bouton ou assassiner rêve paysan nou yo. Espoir paysan nou yo. M'a dit Boulos. Ou a payé pour lui. À 67 là nous là, ou a payé pour lui. Il faut que nation fort payer pour lui. Et de petit en petit, nous devons payer pour lui. Et c'est si, faut que nation marche des cas en cas chercher nous pour faire nous marrer bloc dans nous marrer nous déboire derrière, marcher dans toute porte pour ensemble avec nous, prendre rigoise, vider, regardez nous, vider l'huile nous tourne à vider sous béton, vider sous nous tout noir. Faire nous marcher sous béton à soleil chaud, pied à terre. Parce que nous sommes des criminels, nous trois. Nous sommes méchants avec un pays, nous sommes méchants avec un peuple, nous sommes méchants avec une nation. Nous tuons mon trop dans le pays, bonne gang, bonne criminel. Nous sommes méchants trop. On continue de tendre avec nous qui avons plaidé. Quand nous avons plaidé, on fait semblant comme si nous avons dit sous cela. Je dis nation, il n'est pas prêté comme ça, ça va prêter comme ça, il n'est pas prêté impuni. Jamais. Il n'est pas payé. Mais il va facile comme ça, pour nous quitter ça passer comme ça. C'est facile pour l'os. Mon Dieu, pardon, mon cher. Posez-nous, frère, maintenant. On avance. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. Mm-hmm. On peut avoir un différent, donc avoir une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui coûtait là le ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que il n'est pas en haut sur toute sa crise de et il faut dire aussi que nous ne pouvons pas avoir une solution de remplacement. Okay. Mais donc, on croit qu'il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous rentrons dans. Oui, moi je crois qu'en tant que président en fonction, il fallait respecter, la dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Pendant que nous ne reconnaissons pas comme président, et puis nous foutons pour lui, comme si nous parlions tout, il y a 6-7 juillet, nous imposons l'honneur parce qu'il accepte l'honneur là. Oui, c'est la dernière volonté. Nous forçons la dernière volonté. Nous forçons pour la dernière décision. Et la décision, ça, nous trouvons que nous avons nous foutons tout. Et puis oui, c'est normal parce qu'il y a là, c'est pour nous, pas nous. C'est jouer pas nous, c'est allier nous. C'est l'un tout le président ensemble avec nous. Je dis, nous, monsieur, bien compté mal calculé. Parce que quelque chose, j'en virel. Moi, je m'appelle des peuples à analyser pour que vous compreniez. Jean qui est méchant. Je dis, l'histoire même a jugé nous et a condamné nous parce que nous méchants trop avec le peuple, nous méchants trop avec le pays. On avance vraiment avec ça. On entend ça. Mais je signale trois bagages pour moi. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'accord, entre guillemets, légitimer le président Ariel Henry. Premier ministre. Et président Ariel Henry. Nous ne signons pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous avons remarqué que nous n'avons pas senti que l'accord est suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire nous avons signé l'accord. Mais comme dit mon bagage, l'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagage nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement élargissement accord ça ainsi à tous les acteurs politiques pour que nous joignions un apport inclusif qui portait la paix, qui portait la prospérité, qui portait la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça, nous l'avons, nous remettons par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interrompe, mais de fait, et plus oui. De 6 à 8 mois après, l'État et particularité dans l'alliance là, et l'alliance là continue à gouverner, et avec le résultat que l'on voit, qui vous associe clairement écoute, à ce résultat, que certains monde qualifient carrément de catastrophique écoute, et de désastreux. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que y associé, non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Quel poste nous occupons? Nous n'occupons, attendez, nous n'occupons pas de poste politique. Maintenant, bon, si la presse voulait faire travail,
Il y a besoin de 4 documents que nous écrit pour le ministre. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre, là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. Yon, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect ça. Nous faisons des rencontres avec le groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontre avec PEN. Nous faisons rencontre avec groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, là, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas avoir un lien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songez à l'époque, ça, c'est un problème migratoire avec la République dominicaine, dans lettre ça, 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre. Nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MDV levé, moi en pile mon abou est monté, et puis pour nous dire, bon, nous quittons encore. Et puis quoi? Non, au contraire, plutôt nous sommes là, nous mal à l'aise, comme nous personnellement, et tout à l'heure nous allons parler de ça. Personnellement, moi, très mal à l'aise que Reginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MDV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et m'a évoqué division qui en est des résultats. Parce que, au bon sacrivé, messieurs, moi, je vous montre fort, dans l'anthropologie haïtienne, il faut connaître qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action ça va être fait. Et nous conscients de ça, on va souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti va souffrir de. On va souhaiter ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire que c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en de pouvoir? Non, attendez-moi. Bon, précisez pour vous. Bon, précision, bah, important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV s'est précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas un partage gâteau, nous voulons un partage de responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça, c'est le premier sans gâteau. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner, que nous en le gouvernement pense au Fatma, est arrivé le 28 février. Mm-hmm. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Carl François, parce que le Premier ministre n'a pas jambé à la veine de ou en fait de pense au Fatma. Ça n'a pas jambé à la veine. Okay? Il a rencontré le docteur Carl François, vice-président du parti MDV Haïti. Et à ce moment, il a dit, je veux préciser que ce n'est pas un poste ma baille MDV, son poste ma baille un cadre compétent de MDV. Très bien, oui. L'hôpital au Fatma, Boulos exige, c'est lui-même pour le baille. C'est lui-même pour le baille. En même temps, il y a un payroll qui a fait pour le chef de gang qui est dans le Cité Soleil, qui est Gabriel. Petit Gabriel, j'ai l'argent pour l'acheter des armes, pour l'acheter des cartouches. OK? Qui est-ce qui mettait sécurité dans l'hôpital de Fatma? C'est même groupe gang de Gabriel, le boulot se fait mettre là. OK? Qui est-ce qui mettait directeur général au Fatma? C'est exactement original Boulos. Mais non, pays. Il a fini de tuer le président. L'argent de l'eau n'a pas mal. Il va remettre un goud encore. Parce que c'est comme ça que fait le tuer le président. Il va remettre un goud. Le président fait questionner, il tue le président. Mais je dis, il y a un juge Ben Saint-Ville, doyen Ben Saint-Ville, qui retire le mandat Boulos et qui débloque à 40 Boulos. Qui dit Boulos, c'est normal pour te tuer Jovenel Moïse, parce que M. Patanien, c'est des bats de boudal. Ben Saint-Ville, tout où tu as la justice, la justice a pris sous deux pieds, laisse ça, ou pas bien juge dans le pays encore. Ou sont petits vicieux, ou sont petits volets, ou sont pas sérieux, ou pas honnête, ou pas digne pour doyen dans le tribunal. Donc, comme si dans le pays.
ou c'est rester avec ou son tchoul et de fait fok nation an fait nous comme si marcher sous nous pour faire nous connaître que nous pas moun nous c'est des voyous nous c'est des rester avec que nous il faut payant prendre nous dans dimension nous faut que la république prenne nous dans dimension nous parce que nous c'est des criminels nous toi que nous il faut que la république ba nous monnaie pièce nous parce que nous pas respecter tête nous vicieux nous criminels nous sans cœur nous c'est des sanguinaires que nous il faut que nation marche prendre nous de carancaille parce que nous pas respecter monde nous méchants avec pays a nous méchants avec nation il faut que la république même ba nous monnaie pièce nous comme des gangs comme des criminels notoires comme des assassins parce qu'il est pas possible pour nos pays pour n'a tolérer bande gang ça pour n'a tolérer bande criminel ça yo cap détrôner nation cap détrôner pays dans niveau ça il est pas possible. Il faut que nous fassions tout ça que nous connaissons pour nous éradiquer les gens dans le pays. Il faut que nous bataillons pour nous éradiquer les groupes criminels dans le pays. Parce qu'il n'est pas possible pour nous accepter la qualité de gens dans le pays toujours. Ce n'est pas logique. Il faut que la nation prenne le bonheur. Et je dis à moi-même, je vais jouer en faveur, je vais camper derrière tout le monde pardon, qui est prêt pour batailler contre les oligarques corrompus. Je suis prêt pour m'accompagner quel que soit le monde. OK? Pour bataille contre les gens, pour son haïtien conséquent, les gens qui vivent dans la diaspora, qui veulent tourner la caillou, en nous bataille contre le groupe criminel, contre le groupe nexa qui tue le président, qui lapide le président, juste parce qu'il y a un intérêt menacé. Il faut que nous gommions. Il faut que nous gommions contre les gens. Si nous ne gommions pas contre eux, nous allons continuer à détruire nous. Et nous ne pouvons jamais exister dans le pays. Il faut que nous fassions ceci, c'est pressé, pressé. Parce que pas de temps encore. Bouton de panique, les gens pèsent le toit souvent qu'on y a tué mon yo, tué avec Jean-Baptiste. L'important. Je vais vous rendez-vous après-midi à 6 h.p.m. D'accord? Dans l'émission spéciale, que nous allons attaquer des dossiers, nous allons boire des informations et que vous êtes content. Je vais vous dire que vous êtes là. Moi, c'est Berto. La plateforme attend de nous là, il est InfoBerto. Moi, je vais vous rendez-vous cassé pour après-midi. InfoBerto, aux amis, pas nous. Que bela.